La mise en place de la nouvelle agence de l'énergie et du climat à l'échelle du département de l'Ain nous a permis, à travers une nouvelle gouvernance, de pouvoir intégrer de nombreux élus qui n'étaient pas particulièrement sensibilisés à toutes les problématiques traitées au sein de cette agence. Cela nous a permis aussi de pouvoir sécuriser le fonctionnement interne de l'agence, mais également, pour en revenir au service Info Énergie, de pouvoir proposer à travers un outil qui s'appelle la mallette Thermokit, un service de proximité permettant ainsi de toucher au plus près les habitants du territoire. Grâce à la mallette Thermokit, les bénéficiaires deviennent acteurs de leur rénovation en faisant des relevés, des mesures et des clichés thermiques de leur logement. La mallette Thermokit comprend plusieurs instruments de mesure, la caméra thermique, le mètre laser qui permet de faire un plan, le vitromètre qui permet la mesure du double vitrage. Pour l'aspect confort thermique, on peut retrouver l'enregistreur de température et le multimètre qui permet donc la mesure de l'humidité et de la température, mais là de manière instantanée. Pour le comportement de l'utilisateur, on a différents instruments de mesure. Le wattmètre qui permet de mesurer la consommation d'un appareil électrique, comme par exemple un lave-linge. On a également un débitmètre qui nous permet de mesurer le débit d'un robinet. Et enfin le peson qui nous permet de peser la quantité de déchets, qu'ils soient triés, jetés ou compostés. Le rendu des résultats se fait avec un conseiller Info Énergie de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Ces rendez-vous sont individuels et se situent dans la mairie relais du Thermokit. La loi de transition énergétique et de croissance verte d'août 2015 légitime et renforce les ALEC. Elles ont une mission d'intérêt général qu'elles mènent sur les territoires. La définition qui en est donnée, c'est un outil au service des collectivités pour mener la transition énergétique. Donc les ALEC sont vraiment des structures opérationnelles, de terrain, de proximité, qui sont souples et fonctionnelles et qui permettent aux collectivités de bénéficier d'expertise technique. Elles ont aussi la capacité de mobiliser des acteurs publics et privés de tout horizon en agissant en tant que tiers de confiance. La Fédération Flamme est également un appui pour les ALEC puisqu'elle nous permet déjà de nous connaître, de nous coordonner et de travailler au sein de différents groupes techniques pour mener des actions conjointes et partager nos pratiques.